Honorable député, voici Eugène. Ah, honorable député, voici Eugène. Monsieur adjoint au maire de Cocody. Ah, the assistant mayor of Cocody. Monsieur le secrétaire du forum. The secretary of the forum. Confession religieuse de Côte d'Ivoire. The religious group of Côte d'Ivoire. Chers responsables d'église. Leaders of the church in your various titles. Permettez au nom de mes collègues administrateurs de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. And allow me in the name of my fellow administrators of the West Central Africa Division. Qui est une branche de la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour. Which is a branch of the General Conference of the Seventh-day Adventists. Permettez au nom du président. In the name of the president, au nom de ses collaborateurs, de vous remercier en ce moment. In the name of his collaborators, to thank you at this time. Pour avoir choisi ce jour for having pour nous honorer. This day to honor us, pour nous souhaiter Akwaba. And to wish us pour prier Akwaba. Pour le succès de notre mandat. To pray for the success of our mandate. Nous sommes si reconnaissants de tous ces gestes en notre endroit. We are appreciative for all that you've done. Et par la grâce de Dieu, and by God's grace, notre équipe fera de son mieux. Our team is going to do its possible best pour conduire le peuple de Dieu selon les voies du Seigneur. To lead the people of God in line with God's will. L'église adventiste du septième jour a toujours été une église de paix. The Seventh Adventist Church has always been a church of peace. Et nous allons, aux côtés de nos consoeurs, d'autres confessions religieuses, assumer et continuer notre responsabilité. Continue with our responsibility. Nous prions que le Seigneur vous rende sentu pour tout ce que vous aviez fait pour nous en ce jour. And we pray that the Lord will reward you in full for all that you've done this day. L'or et l'argent, nous n'avons pas ce matin pour vous bénir. Gold or silver, we don't have this morning. Mais en ce moment, nous voulons prononcer la bénédiction de Dieu sur vous à travers une prière. Well, this time we're going to pronounce the blessings of God on each one of you through our prayer. Et à cet effet, je vous invite de bien vouloir vous mettre debout pour la prière pastorale. I invite you to please stand for the pastoral prayer. Éternel, notre Dieu, notre Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te bénissons, nous te louons pour ce premier sabbat de l'année 2023 selon le calendrier grégorien. Merci. Merci pour la cérémonie qui a eu lieu ce jour. Merci pour tout ce qui a été fait pour la gloire de ton nom. Nous voulons, par-dessus toute autre chose, te remercier pour la paix dont nous jouissons dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, qui nous permet de nous retrouver ce jour et même de te servir en tant qu'Église dans ce pays. Nous savons que tu es le prince de la paix. C'est pour cela, Seigneur, comme un seul corps, nous prions que tu continues de pérenniser la paix dans ce pays. Nous élevons vers toi le premier responsable de ce pays, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Ô Seigneur, tu l'as choisi pour nous diriger en ce moment. Continue de le garder avec une bonne santé, lui et toute sa famille. Nous prions, Seigneur, que ton esprit continue de le diriger, de le garder, afin que toutes les décisions qu'il prendra avec toute son équipe soient celles qui nous permettront de continuer par vivre ensemble et de vaquer à nos occupations. Seigneur, bénis le vice-président. Bénis tout ce que tu as élevé dans ce pays, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan militaire. Permets, Seigneur, que toutes ces personnes, eux, pour qu'en fin de compte, nous puissions vivre pacifiquement et menions nos vies selon ton plan.
Oh Père, merci d'avoir béni ce pays avec différentes confessions religieuses. Bénis les uns les autres pour leur collaboration et contribution à la vie ensemble. Permets qu'aux côtés de toutes ces confessions religieuses, l'Église adventiste du septième jour, ce peuple que tu as choisi avec une mission et un message spécial, puisse pleinement jouer son rôle dans ce pays. Alors que la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, coordonne-le dans les 22 pays de cette sous-région, permet qu'il y ait la paix dans nos sous-régions. Bénis, Seigneur, les différents chefs d'État, bénis les institutions, et permet qu'à travers cela, un peuple puisse être préparé pour te rencontrer très bientôt. Pour nous, les Adventistes en Côte d'Ivoire, continue de nous bénir. Continue de bénir nos activités. Permets, Seigneur, que partout où nous nous trouvons, nous soyons bâtisseurs de paix. Nous soyons des citoyens dont le pays sera toujours fier. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, pasteur Robert Osei-Bonsou, va nous donner un court message. Parle au travers de lui. Et qu'à travers lui, nous soyons tous édifiés et prêts à accomplir la mission que tu nous as confiée. Nous avons prié reçu au nom de Jésus. Amen. Amen.